vient d'arriver à Poussan, on vient de déposer nos valises et du coup nous on loge à côté de Gwangalli Beach. Bonheur, joie et allégresse. Oh, ça fait trop du bien. Bon, je sais pas si on va vraiment aller se balader au sentier littoral, mais ça fait une heure qu'on regarde les surfeurs. Oh, oh, oh la grosse gamelle pile au moment. Nous avons fait un bon score, un bon travail. On a juste dégommé le barbecue, voilà. Comment on fait? Heureusement que... Bah non, heureusement pas du tout en fait, que la bière est là. C'est encore pire. Non mais je mettrai le nom du restaurant parce que c'est vraiment machita. Un peu cher, mais franchement ça vaut. Ouais, bah tiens, regardez les prix. Qualité au top et le service est vraiment top. Franchement les petites dames sont trop mignonnes avec elles. Trop gentilles, elles sont hyper à l'écoute. Franchement elles sont trop mignonnes. Merci pour votre review Agathe. Bon bah je crois que c'était ça et ça m'a l'air bien vide et bien fermé. Alors là on va dîner, on a passé la journée à réviser. Donc voilà, pas beaucoup de contenu, hein, sorry.
Donc là, Agathe est en train de nous servir un espèce de saumec, mais cette fois-ci avec du cider, parce qu'on a décidé de pas trop boire pour le dernier soir, parce qu'on avait déjà un petit peu abusé la veille, quand on était parti en centre-ville à Sommion. Je vous explique tout ça juste après. Regardez la vue, c'est pas génial? Hello! Donc là, on est à Guangali Beach. C'est là où on réside en fait. On a pris notre hostel et on a passé la majorité de notre temps ces derniers jours. C'est pas super beau. Trempe ses pieds pour la dernière fois, Agathe. Pas d'eau, hein, pas d'eau. Je suis littéralement la pire vlogueuse. Oh! Parce que j'ai pas du tout filmé, je pense, depuis hier, je sais pas. Je sais pas où je me suis arrêtée. Mais en gros, pour aussi pour vous orienter, si vous venez à Busan, bon, c'est dommage parce que j'ai pas pu filmer. J'étais en soirée, mais on est allé au quartier qui s'appelle Sommion. Et honnêtement, c'est limite mieux que Hongdae, si vous connaissez Hongdae. Ambiance de malade, des tas de restaurants, de pocha, de bars, il y a vraiment de quoi faire. Et franchement, super beau, enfin, vraiment j'ai adoré. On a passé la soirée là-bas avec nos amis. Et ensuite, donc ça c'était pour hier. Et aujourd'hui, on a fait que travailler parce que bah, on a nos partiels d'ici 2 semaines. Et bah, ce qu'on faisait, c'est que en fait, ce qui est très sympa à Guangali Beach, c'est que tous les cafés pratiquement ont vu sur la mer. Et ouh, la mer. Ils ont vu sur la mer et en fait c'est ouvert, donc c'est un peu comme une terrasse à la parisienne quoi. Donc vous prenez votre café, vous êtes au soleil, d'ailleurs ça se voit, j'ai pris des couleurs. Et donc voilà, donc on a passé nos journées donc hier et aujourd'hui on a travaillé là-bas. Et ensuite donc là on vient de se faire un dernier pocha. Ah d'ailleurs, super pocha à Sommion, c'est le 1943. C'est un petit peu caché, il faut savoir où c'est au 3e étage d'un bâtiment. Et je pense que si vous cliquez 1943 sur Naver, vous devriez le trouver. Franchement, c'est vraiment local, la bouffe est super super bonne. Et on a passé une super soirée là-bas avant de poursuivre vers un autre, ben, vers un vrai bar d'enfants cette fois-ci où ils jouaient de l'EDM et c'était vraiment cool. Donc voilà, et puis donc ça c'est pour Sommion. Ensuite, donc nous on est resté à Guangali. Il y a Agathe qui profite de la mer. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Une dernière fois. Ah oui, aussi on s'est baigné, la mer est incroyable ici. Il faisait 25 degrés en plein fin septembre, début octobre. Donc enfin, vraiment génial, la mer est transparente, translucide. Et enfin, on s'est éclaté dans la mer quoi, des vraies gamines. Donc voilà, il faisait super beau, on était trop contentes. Et franchement, pas de regret de rester à Guangali, même si c'est un petit peu loin du centre vivant, entre guillemets, donc c'est-à-dire Sommion. Donc je vous conseille de rester à Guangali si vous êtes là pour la plage, pour le beau temps, pour les pubs. Il y a énormément de pubs, de restaurants, que dire d'autre. Ben voilà, c'est assez sympa. Il y a vraiment le stéréotype de feu d'artifice sur la plage. C'est pas un stéréotype, c'est vraiment... ben, ils adorent faire ça. C'est super mignon le soir. Il y a plein de petits couples qui viennent sur la plage, admirer les lumières du pont, faire des feux d'artifice du coup. Et ouais, très vivant, tous les pubs, tous les bars, tous les restaurants, tous les pochas sont pleins à craquer. Donc voilà, très 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 sympa pour rester ici. N'hésitez pas à me demander sur mon Instagram, Clotilde Aliénor, je vous mettrai le tag de l'Instagram ici. N'hésitez pas à me suivre parce que c'est vraiment là où j'update le plus souvent. Enfin, je suis vraiment très très mauvaise vlogueuse, je vlog très très rarement. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir vraiment ma vie coréenne au quotidien, je vous conseille de me suivre sur mon Instagram juste ici. Agathe, c'est sympa la mer? Oui. Je vais me baigner. Elle est incroyable, elle était super chaude, franchement trop de chance. Regardez comme c'est beau. Est-ce qu'on voit les feux d'artifice? Est-ce qu'on les voit? Je sais pas. C'est tout là-bas. Ah. Ah, regardez aussi, il y a des bateaux le soir. Je sais pas si on voit bien. Mais tous les soirs, il y a des bateaux, je suppose qu'on peut les privatiser. Qui font des mini feux d'artifice comme ça. Juste comme ça, voilà.
C'est tous les soirs, au moins un bateau privé qui fait ça, donc je pense que ça doit être un truc, une excursion, je sais pas trop, une formule que tu payes et t'as un dîner et après petit feu d'artifice sur le bateau. C'est super romantique, trop choupinou. Donc voilà. Ensuite, soyez pas extrêmement surpris que j'ai pas visité tant que ça à Busan, c'est tout simplement que je suis déjà venue et aussi Agathe et moi, on a des partiels. Donc on n'a pas pu visiter au maximum, mais on habite Séoul, donc Busan c'est pas très loin non plus, et on est là pour plusieurs années. Donc on a décidé de profiter quand même du beau temps, et en même temps en travaillant, donc lier l'utile à l'agréable. Ah c'est bon, t'es là.